Salut les enfants, de retour sur Assassin's Creed 3. Dans l'épisode précédent, nous avions tout simplement récupéré une magnifique source d'énergie qui est à installer dans ce temple. Ce que je vais faire après avoir parlé un peu avec les gens. Au fil de notre histoire, il y a eu des périodes. Plusieurs en fait. Mais. C'est logique, ouais. C'est impossible. Nous avons des différences existentielles insurmontables. Si nous nous unissions, ce serait plus un signe de soumission que de paix. Mais maintenant qu'on sait ce qui doit se produire, tu crois pas que ça vaut la peine de parler à Vidic? D'essayer de s'entendre, même si c'est temporaire? Je suis mal doublé. On passerait trop de temps à surveiller nos arrières. Personne n'arriverait à rien. On est bien plus productif en état de guerre. C'est une façon de voir les choses. Est-ce qu'on a tenté d'envoyer quelqu'un? De leur faire ce qu'ils nous ont fait avec Lucie ou Cross? On a essayé, et ça a toujours échoué. Les agents trop faibles se sont laissés convaincre de nous trahir. Eh ben bravo. Et les agents trop forts ont été incapables de jouer la comédie. Pourtant, j'ai l'impression qu'on veut tous la même chose. Nous employons les mêmes mots, mais ça s'arrête là. Au bout du compte, tout se résume à la liberté. Nous l'aimons, et ils la haïssent. C'est un combat sans fin. Il faut que l'un des deux camps disparaisse. Ça va être compliqué si c'est un combat sans fin. Ça pourrait se produire ? Probablement pas. Nos deux ordres existent sous une forme ou une autre. Ce combat n'a toujours aucune... Mais la situation peut encore s'améliorer. On ne perd pas espoir. Bah si, tu viens de dire qu'il n'y avait aucun moyen que ce que tu veux... J'ai disparu, papa. Tu m'as cherché ? Continuellement. Le gars, il dit... Vraiment ? Non, il n'y a aucune chance que cette guerre Chaque se termine. Soir, et on a encore espoir. Je cherchais ton nom, ou des variantes, espérant que tu laisses filtrer quelque chose. Abstergo t'a trouvé en premier parce qu'ils ont plus de moyens. Quelques jours plus tard, ça aurait été moi. Au moins maintenant, on est réunis. Et j'en suis heureux. Malgré l'engueulade... Tu crois que Lucie a regretté de nous avoir trahis? Je pensais bien la connaître, mais je me suis trompé sur toute la ligne. Alors compte pas sur moi pour te donner une réponse. Elle avait l'air sincère. Elle voulait vraiment arranger les choses. J'ai pensé que Cross était sincère la première fois que je l'ai rencontré. Cross, c'est qui Cross déjà? Même histoire, encore et encore. Quelle histoire? Ouais, quelle la histoire? Boucle. Ne commence pas à perdre la tête, fils. De quoi il parle? Non, t'inquiète pas. Je fais bien. Je suis pas sûr. Bon, très bien. Tu devrais peut-être retourner dans l'Animus. Il faut qu'on trouve cette clé. Non, je vais brancher la source d'énergie d'abord. Il est temps de retourner voir Connor. Non. Non, mais je veux d'abord... Allez, fils, on a du travail. Non, mais je veux d'abord brancher la source d'énergie. Alors, je me souviens plus du tout par où il faut passer. Mais je sais que j'avais vu l'endroit où il fallait la brancher en branchant l'autre. Par où il faut aller? Je dirais par là. On va se débrouiller pour passer. Hop, de l'autre côté, s'il vous plaît. Merci. Hop, il doit y avoir moyen. On peut monter par là, non? D'accord. Souvenez-vous, dans je ne sais plus quel épisode, quand j'ai branché la dernière source d'énergie, on voyait où est-ce qu'il faut mettre l'autre. Sauf que je ne me souviens plus où c'est. Bon, en tout cas, là, ça a l'air d'être un chemin plutôt... Oh, saute! Con, non? Saute bizarrement. Voilà, je crois que j'ai branché la source d'énergie ici. Et c'était là-bas qu'il fallait brancher l'autre. À moins que ce soit encore plus loin, je ne me souviens plus. Le problème, c'est que tous les couloirs se ressemblent ici, alors c'est une galère. Non, c'est bien là-bas. Mais alors, comment on fait pour y aller là-bas, déjà? Parce que là... C'est pas par là... C'est pas par là... Ce serait peut-être par là-bas. Ça monte... Non, ça monte pas, ça. On est où, là? Non, c'est pas par là. J'ai ma manette qui réagit bizarrement. J'ai les joysticks qui sont... qui ont une sensibilité bizarre. Ils réagissent pas normalement. Vous savez, ils sont bizarres sous les doigts. Donc, je ne sais pas trop ce que... Le pourquoi du comment. Je pense que ma manette commence à vieillir. En même temps, je l'ai depuis pas longtemps, cette console. Oui, parce que j'avais une PS3 FAT, la première,
Et comme j'ai déménagé et que je suis parti de chez mes parents, et ben du coup j'ai dû me racheter une PS3. Enfin techniquement, comme l'autre PS3 était un peu à tout le monde, etc. Donc elle était un peu à moi. J'ai pas payé celle-ci complètement en fait. Ma mère a payé une partie de la PS3 que j'ai en ce moment. Qui techniquement revient en fait à me, je sais pas, racheter la part de la PS3 qui était censée être aussi à moi quand on vivait tous ensemble. Parce que ma mère voulait la PS3 pour faire du Assassin's Creed d'ailleurs, parce qu'elle aime bien Assassin's Creed. Le problème c'est qu'elle joue pas souvent et je ne sais pas par où il faut passer. Elle joue pas souvent et donc du coup elle a toujours pas avancé, elle est au Assassin's Creed 2. Même pas 2,5 et tout, hein, vraiment le 2. Et même pas au Brotherhood ou au Revelations. Vraiment aux deux, quoi. Et elle est loin d'avoir fini le 2. Enfin, elle m'a dit qu'elle avait avancé. Bon, faut peut-être descendre, en fait. Hein. Mais ça m'emmerde de descendre, parce que... Mais non, si je descends... À moins que ce soit pas du tout par là, et que ce soit par là-bas. Bon, écoutez, on descend. Au pire, je sais comment remonter. Je sais pas c'est où, là. À moins que ce ne fût par ici. Je ne sais pas. On va tenter par là-bas. Arrête de faire genre t'as mal. Ça doit être par ici en fait. Oui, c'est cela. C'est avec les escaliers pétés. Pas énormément d'action, donc c'est pour ça qu'on discute un peu. Je vous raconte ma vie. Alors, moi personnellement, j'aime beaucoup les pâtes au thon. Je trouve que c'est un des meilleurs plats de pâtes qui existent. Hein, avec cette douceur du thon. Et des pâtes et de la crème fraîche et non c'est, vraiment c'est très bon quoi, c'est... Je pense que c'est par là. Je la vois là-bas et je pense que donc il faut passer là-bas. Alors attendez, il faut faire le tour hein. Ils sont pas très bons en architecture, le peuple qui a construit ça, que je me souviens plus de leur nom. Ils ont un nom. Par où il faut aller? Ah oui, je me souviens de ça. Oh! Eh merde! On peut remonter ou pas? Non, c'est... Ah, ça va être galère. Peut-être par là. Eh d'ailleurs, il y a un truc là, non? Derrière, on voit. Bon, tant pis. Je ne sais pas par où il faut passer. Par où faut-il passer? Je n'arrête pas cet épisode tant que je n'ai pas branché la source d'énergie. Parce que, attends, la dernière source d'énergie, j'ai mis 4 épisodes à la brancher, c'était relou. C'est par là. Hein. Je me souviens pas, je me perds dans ces couloirs, je les trouve complètement identiques. Alors, hop, on va faire comme ça, et là, hop, on saute. Et là, on s'arrête. Est-ce qu'on peut monter au mur? Non. De l'autre côté, peut-être? Ouais, de l'autre côté, il nous fait Lara Croft. Passer par là peut-être, oui. Ouais, je pense que c'est par là. Ok. C'est un labyrinthe. Ok, on va où ici? Il y a quoi là? Ah, fallait peut-être monter par là, je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens vraiment plus du tout. Au pire, si je ne trouve pas, entre les deux épisodes, j'irai jeter un œil à comment j'avais fait avant. Ah bah voilà. C'était ici. Coucou. Il va mettre son gros carré. Aucun sous-entendu ou quoi que ce soit, il met vraiment un gros carré. C'est magnifique. Comment ce temple a raconté aujourd'hui ? C'est clair. Un escalier. Allons voir cet escalier, il est où? J'ai pas capté. Je me dirige, je me repère super mal moi dans ce temple. Il est où l'escalier qu'elle a ouvert? Enfin qu'elle a ouvert, que le temple a ouvert. C'est pas derrière?
Je suis paumé dans ce temple. Je suis paumé. J'ai une idée de où est-ce que... C'est pas par là ? Ce serait logique que ce soit par là, non ? Enfin non, ce serait pas très logique en fait. Enfin, ce serait pas plus logique qu'autre chose. Attendez, on va retourner par là-bas, voir. Qu'est-ce qu'il y a là ? Rien ? Ok. C'est pas mal, rien. J'aime bien. Déjà, je sais même plus comment sortir de cette zone. J'aurais dû sauter directement. Hop, on va là, on saute ici. On va là, on retourne là. On va tout là-bas, au lieu de monter. Il va bien avoir un moyen de... Je suis paumé. Y'a quoi en bas? La mort? J'ai fait crever là. Où est le... Ah, d'accord. C'est passé un truc. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dessous. Tu dis vague. Vague. J'ai dit vague. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils dormaient et qu'on les a réveillés. Comme une sorte de cryogénisation ou d'hibernation, je veux dire. Comment savoir ce qu'ils fabriquaient au fond de ce trou? Ils ont étudié plein de solutions différentes, et aucune n'a marché. Ils les ont toutes essayées, l'une après l'autre, et puis... J'en sais rien. À un moment, ils ont dû partir. Après la fin. Je me demande après si la fin, ils sont balèzes, quoi. Je suis davantage préoccupé par ce qu'il deviendra si on échoue. Notre salut. Ils ont trouvé un moyen. Trop tard pour eux. Mais pas pour vous. Scellé pour le protéger. Mais ils partent à route. Trouve la clé. Le passé te le dira. Ouais, mais ça, on le sait depuis le début. Bon, y'a rien à faire? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Y'a quoi là? Ah bah c'est les escaliers qu'elle a ouverts. Ouais, enfin on va pas y aller tout de suite, j'imagine que c'est pour la prochaine source d'énergie. Bon, on va quand même y aller. Histoire de voir. Si ça devient trop complexe, on se tire. Oh bah non, ça va. Bah, qu'est-ce que c'est? On dirait un animus. Il y avait un siège et tout. Un autre monde approchait. Un monde obscur et froid. Qui allait nous détruire. Car nous étions de chair et la chair est fragile. Si les armures et les boucliers avaient leur place, ces artifices n'auraient pas permis de nous sauver tous. Qu'est-ce que c'est? Alors nous tentâmes d'altérer notre nature. Afin d'apprendre à survivre dans un monde empoisonné. C'est-à-dire... Aïta se porta volontaire pour mettre ses idées à l'épreuve. Aïta, mon mari, mon amour. On a compris. L'expérience le transforma, le détruisit. Il devint prisonnier des machines. Son corps survécut. Mais son esprit devint une chose si friable. Il m'a imploré de le libérer pendant des jours, des semaines, des mois. Je l'ai supplié de me laisser le temps de trouver une autre voie. Mais il n'y en avait aucune, ni pour lui, ni pour nous. Oh my god! D'accord. Mais moi je trouve qu'elle est pas claire dans ses explications, on comprend pas tout quand même, hein. Je vais monter sur les machines. Je crois que c'est ce qu'il faut faire en plus. Merde! Ah non, c'est bon. On va aller là. Et je pense qu'on peut aller par là-bas. Hop. Nickel. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bah, c'est là d'où je viens. Et là, il n'y a rien du tout. Une porte fermée. J'imagine qu'elle va s'ouvrir à un moment donné. Bon, bah on va repartir alors. Ah mais non, c'est pas du tout de là d'où je viens. Enfin, je crois que si, plus ou moins, mais du coup là on peut monter. Mais monter vers où? Ah ah, suspense.
Merci d'avoir regardé. Cliquez sur le bouton suivant en haut à droite pour avoir la vidéo suivante où nous saurons ce que cette personne va dire. Que va-t-il se passer dans le temple ? Mystère et boule de gomme. Donc merci d'avoir regardé, comme je le disais. Cliquez sur le bouton suivant, je l'ai déjà dit. Et la quiche Lorraine vaincra. Ça, c'est certain.